Stéphane, est-ce que tu peux d'abord présenter la Fédération mondiale des annonceurs et tout ce que vous faites autour notamment de l'autorégulation, mais pas simplement du contenu de la publicité, de manière générale? Bonjour Stéphane, mon nom est Stéphane Lerck, je suis le directeur général de la WFA, la Fédération mondiale des annonceurs. Nous regroupons en fait les principaux groupes annonceurs dans le monde, donc 150 des plus grands annonceurs mondiaux et 60 associations nationales, dont l'Union des marques en France et ses associations sœurs en Chine, en Australie, en Amérique, au Brésil, etc. Alors la WFA a en fait un double agenda. D'une part, nous soutenons les marketers dans leurs efforts d'être plus efficaces dans leur communication. Et par ailleurs, nous avons une responsabilité pour faire en sorte que la façon dont nous abordons nos responsabilités soit considérée comme acceptable et crédible et durable. Et donc c'est dans ce cadre-là que l'autorégulation de la publicité joue un rôle très important pour nous. Justement, avec Kantar, vous venez de sortir un rapport sur cette durabilité, le Global Sustainability 2030. Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, en fait, c'est une étude que nous avons lancée au niveau international. Donc, près de 1000 annonceurs y ont participé à travers plus d'une quarantaine de pays. Et ce que nous avons voulu vérifier, c'est où est-ce qu'en sont les annonceurs dans la transformation afin de répondre à l'urgence climatique. Et donc ce qu'on peut dire grosso modo, c'est que d'une part, la vaste majorité des consommateurs considèrent qu'il est de la responsabilité des marques et des annonceurs de mener cette transformation rapidement. Deuxièmement, deux tiers des consommateurs considèrent que les annonceurs et les grandes marques ont une responsabilité principale dans ce défi-là. Ce qui est intéressant, c'est que la vaste majorité des annonceurs aujourd'hui reconnaissent, donc à 90% au niveau mondial, qu'il y a urgence. Néanmoins, il y a encore un grand écart entre la prise de conscience, qui est clairement là, et les changements opérés au niveau du marketing. Et les principaux obstacles que nous avons identifiés, c'est d'une part le fait qu'il y a encore un vrai knowledge gap. Donc il y a un besoin de formation au niveau des marketeurs qui est encore considérable. Deuxièmement, la façon de mesurer les progrès. Aujourd'hui, la plupart des groupes mesurent leur efficacité, leur performance sur base des résultats opérationnels. Comment est-ce qu'on mesure l'objectif de la durabilité? Et troisièmement, un besoin de ressources, de recruter en interne des profils qui ont la capacité d'aider et d'accompagner cette transformation en interne. Nous partageons, Stéphane, avec la Fédération mondiale des annonceurs, votre soutien indispensable aux organisations internationales, EASA et ICAS. Et justement, quelles sont les ou la priorité essentielle pour cette année et puis surtout pour les années à venir pour la WFA? Alors, l'agenda est un agenda ambitieux. C'est un agenda qui est en train d'évoluer très, très rapidement parce que les défis qui se posent à l'interprétation sont de plus en plus nombreux et évoluent très rapidement. Donc, je devrais bien sûr commencer par l'urgence climatique parce que là, on parle réellement d'une urgence qui nécessite en fait une transformation fondamentale de la façon dont nous travaillons. Je parlerai aussi du sujet de la diversité-inclusion. Aujourd'hui, l'interprétation telle qu'elle opère, ne reflète plus assez la société dans toute sa diversité. Et donc il y a un énorme chantier à mener, pas seulement en Europe, mais aussi dans le monde entier. Je citerai quand même aussi le sujet de l'éthique des données et de l'éthique de la data. L'intelligence artificielle est un accélérateur, bien sûr, mais la façon dont l'interprétation va gérer les données, le consentement, la transparence, est essentiel par rapport à ce que j'appelais la license to operate, le permis de faire de la publicité à plus long terme. Donc ça, je citerai ça comme principaux enjeux pour l'interprétation des années à venir. Oui. Merci Stéphane. Avec plaisir.